Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, il fait grave beau, grave chaud. Je suis avec Yacine. Salam, salam. Et je suis avec Myriam. Yo, donc je vous explique. Aujourd'hui, on va faire des défis toute la journée. Il va y avoir un classement. Et celui qui arrive en haut du classement aura droit de prendre le cadeau de son choix. Je veux des Air Force. Ils veulent tous des cadeaux. On va passer au défi. C'est parti. Défi numéro 1, on va s'affronter au Speed Park. Première épreuve, on va s'affronter sur mon jeu préféré, le jeu des patates. C'est parti. Myriam, tu commences. Myriam, elle va commencer, les gars. Celui qui fait le plus gros score. Attends, par contre, Myriam, vu qu'elle est petite, regarde c'est quoi le record, s'il te plaît. Le record, il est à 996. Ok, Myriam, pour marquer un point dans cette vidéo, va falloir faire 400 au moins. 400. Parce qu'elle est petite, la famille. Ok, la technique, elle fait ça. Ouais. 1, 2, 3. Oh la vie. Elle a fait 1. Elle a fait 1. Non, mais il a bugué. Elle a fait 1. Comment c'est possible? C'est fou, il a bugué. Tour de Yacine. Ouais, j'ai grave peur de me refaire mal à la main. Vise bien cette fois-ci, parce que la dernière fois il s'est fait mal à la main. Attention, Yacine va faire combien? Ok, la patate de Yacine. Ouloulouloulouloulou. Oh, j'ai raté. Retiens bien ton score, 746. J'ai grave raté, j'ai tapé à côté. Genre, j'avais tellement peur de me faire mal que j'ai tapé à côté. Je vais vous dire la vérité, maintenant que je suis dernier, il n'y a plus personne qui peut passer après moi ce jeu-là. Je suis vraiment trop nul. Mais non, mais fais avec ta hanche pour mettre plus de force. Voilà, comme ça. Oh, il a raté lui aussi. Il a tapé à côté. Moi je vous préviens, mon sport c'est le football. Le football. Moi je tape pas. Du coup je marque le premier point de la vidéo. Vous savez pourquoi il arrive pas? Parce qu'il tape comme ça. Au lieu de taper en mode comme ça, lui il tape comme ça droit. C'est pas ça, c'est qu'il y a une technique dans ça. En fait, vous avez vu le ballon. Il faut viser en plein milieu. Non, quand tu tapes comme ça, Younes, tu tapes comme ça, alors faut pas taper comme ça, faut taper en mode. Mais je te promets, faut viser en plein milieu du ballon. Tu tapes en mode crochet, tu balances avec ta hanche. Tu veux que j'essaie sur ta tête? Toi tu fais ça, toi tu fais ça. On aurait plus jamais ce manège de ma vie celui-là. Pourquoi tu veux plus le refaire de ta vie? Parce que j'ai vu un film d'horreur. Et il y avait quoi dans le film d'horreur? Bah, une personne se transforme en poney et voilà. Ah oui, j'avoue, les films d'horreur ça commence toujours par ça. Mais Yacine, t'inquiète, il va te défendre si. Non, je rigole, il va courir. Moi je vais courir. Défi numéro 2, on va devoir prendre un article sans que l'autre le sache et on va devoir lui faire deviner le prix en 10 secondes. Le juste prix, c'est parti! Donc là, on est au magasin, Myriam, il va falloir choisir un article un peu piège parce que Yacine il nous attend. Okay, viens, on avance. Faut prendre un article où le prix il est impossible à deviner. Les pistolets de Fortnite, Myriam. Oh, les pistolets de Fortnite. 49,95€, vas-y prends ça. Il va jamais deviner. Yacine, on t'a trouvé cet article là. Tu peux le regarder. T'as 10 secondes pour trouver le prix. Observe-le bien, regarde tranquille. C'est bon, ça commence. Vas-y Myriam, tu lui dis plus ou moins. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh mais c'est quoi ce mec ça? Comment tu sais? 49,90. Mais comment tu sais? Explique. Non mais c'est bon. Comment tu sais? Il a trouvé instant. Wallah, j'ai pas écouté, c'est bon. Vas-y, Yacine, se laisse faire ton choix. Bon, je vais faire celui-là. Ok, regardez bien le prix, les mecs. On va voir si elle triche, elle m'écoute. Regardez bien le prix, 14 euros. Tu peux d'abord regarde l'article. Regarde l'article, c'est une sorte de panda. Je crois ça, ouais. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. 12 euros. C'est moins. 11. C'est moins. 10. C'est moins. 9. C'est moins. 8. C'est moins. 6. C'est moins. 5. C'est plus. 2, 1, 5,15. C'est plus. Le temps est écoulé. C'était 5,90, mais le temps était écoulé. Oui, mais le temps est passé, Myriam. Du coup, t'avais trouvé, mais on peut pas compter le point vu que le temps est passé. Myriam, elle a une idée. C'est quoi ton idée? Oh, prends celui-là. Celui-là, c'est impossible, il trouve. Vas-y, tiens. On va prendre celui-là, regardez le prix. On regarde comment c'est. Non, ça, c'est ma phobie des Lego. Regarde comment c'est. Lego Friends pour les 4 ans. En vrai, ça devrait pas coûter trop cher. 4, 3, 2, 1, 20 euros. C'est ça? Ouais. J'ai tellement eu l'habitude d'aller avec elle, de faire des challenges 30 secondes pour avoir tout, que je trouve d'un coup. En vrai, c'est ça, 20 euros. Donc du coup, on marque nous deux un point. Il n'y a que toi qui n'as pas réussi à marquer un point. Tu te réveilles parce que là, tu es en dernier dans le classement. Pour le prochain défi, on va avoir un générateur de mots aléatoires. Je vous explique. Sur Internet, il y a un mot qui va s'afficher au hasard, par exemple orange. Et je vais avoir 30 secondes pour faire deviner à Myriam le mot orange sans lui dire orange. J'ai le droit de faire des signes, j'ai le droit de faire des mimiques. Si je vais là-bas, je me bouge les oreilles. Dès que t'as le mot, tu dis à Yacine à la caméra. Donc le mot, c'est ça. Oh, ça va être grave dur. Oh, ok, Younes c'est bon. Cache les portables. Ok. Donne, je vais prendre le portable. Et c'est parti. Okay, donc c'est un truc vert. Un truc vert, un haricot vert. Non. Un poireau, donne-moi d'autres indices. C'est quelque chose que tu manges à la diète.
Des concombres, de la salade. C'est presque des concombres. Des brocolis. Non, presque. Donne-moi un autre indice, vite. C'est vert et c'est. C'est pas vert, n'importe grand. Quoi. Des petits pois, des poireaux. C'est un peu grand comme ça. Un peu grand comme ça. Des poireaux, des petits pois. Non. Il reste 15 secondes. C'est le sosie de concombre. Ah, courgette. Ouais. Oh, le gamin. Bien joué. Le sosie de concombre, il était vraiment pas mal. Bien joué. Tu vas t'éloigner là-bas, s'il te plaît. Yeah. Vas-y, Yassine, trouve un bon mot. Ok, attendez, je vais chercher un bon mot. Alors, attendez, le mot c'est. Ok. Tu peux venir, Myriam. T'as 30 mais secondes. Tu es prête? 30 ouais. Secondes. Réfléchis bien. Alors, dis-moi 3, 2, 1. What a walk a new, what a mac a mac. Oh là là, il est trop facile. Fort, mais c'est pas possible. Pour corser un peu la chose, Younes, il va faire deviner un mot à un abonné sur Snap. D'ailleurs, si vous ne suivez pas sur Snap, venez, ça fait juste là pour passer dans les vidéos. Le mot que je dois faire deviner, c'est le judo. Okay. What a... Allo, salam alaikum, ça va Ramadan? Ça va et toi? Regarde, écoute, en mode, je suis en vidéo et j'ai 30 secondes pour te faire deviner un mot. Vas-y. T'es chaud? Ok. 3, 2, 1, c'est parti. C'est un sport, sport de combat, tu mets des grosses balayettes. MMA? Non, presque. C'est pas très très violent, il y a des ceintures noires, vertes. T'as dit quoi? Boxe-taille? Non, c'est un peu moins connu, tu commences par ça. David Douillet, c'est le champion de cette catégorie. Je sais pas, moi, judo, carrément. Oui, judo, oh, judo. Ouais, bien vu Ramadan. Vas-y. Merci mon frère. Prochain défi, le jeu du marteau. On va voir qui va faire le plus gros score. Myriam, tu commences. Non, je veux pas commencer. Si, tu commences. Allez, c'est parti. Myriam, attention. Attends, avant de faire, le record c'est combien le record? Le record c'est 898. Myriam, faut qu'elle fasse 400 pour marquer 200, un point. 200. Vas-y. Allez, Myriam. 200. Attention Myriam. Bien joué. Elle a fait 1. Non, elle a pas fait 1, elle a fait 123. Le marteau il est grave dur, c'est grave dur. Attention Yacine. Oh le truc de ouf! Tu vas battre le record, je pense! Oh! 75! Ah, je suis déçu, hein. Je pense que ça va pas faire mieux! J'ai fait 124! Mais... Oh! Je vous ai dit, je tape des gens pour vivre! Là, on fait une petite pause, c'est-à-dire du côté, moi je me suis pris des petites chips oignons. Et d'ailleurs, quand vous regardez nos vidéos, likez, abonnez-vous! Hein. Pour une fois au goûter, je prends des fruits. C'est excellent! Pas de burger, pas de gâteau. Après, il va prendre un pain au chocolat. Non, quoi que frou. Ah, vous êtes là. Oh, le gros mytho, il fait ça juste pour la caméra, frère. Dernier défi de la vidéo. On va s'affronter au jeu des fléchettes. J'ai les fléchettes dans la main. On a une flèche chacun. Après, attends, je mets moi bien. Tu vois ce trait là. On dépasse pas. Pied là. Ok, vas-y. Quand tu veux, mec. Bismillah. Je veux gagner. Tu vas gagner. Allez, mec. Oh 17. Il a fait 17. 17 points. Attends, regarde ton pied, il est où? Mais vu que je suis petite, est-ce que j'ai le droit de faire? Non. Oui, non. Oui, c'est vrai, oui. Vas-y, go. Vrai. 12. Ah, elle a fait 12. Non. Il a fait moins que moi. Le résultat est tombé. Myriam arrive à la 3ème position. Donc, Myriam, c'est quoi tes impressions? Bah, j'aurais pu faire mieux si je suis vous là. Vous voulez toujours tout gagner. Du coup, elle a le droit à un cadeau entre 0 et 100 euros. Est-ce que tu es prête à le découvrir? Ok. Ta-da! Qu'est-ce que c'est? Tu peux l'ouvrir. Mais d'abord, je vous le montre. Vas-y, ouvre. Ok. Elle remporte une méga paire Air Force donc, qui est entre 0 et 100 euros pour le troisième cadeau, troisième place. En vrai, tu es contente ou pas en vrai? Grave. Yassine, il arrive à la 2ème position et il aura le droit à un cadeau de 0 à 500 euros. Franchement, je suis dégoûté. Moi, je voulais la gagne. Je suis tout pour la gagne. En plus, 0 à 500 euros, je pourrais pas acheter ce que je voulais. Je voulais acheter de base. Mais c'est pas grave, je suis curieux de savoir ce que j'ai gagné. C'est quoi? À toi de découvrir. Une GoPro? C'est incroyable. Eh, vous voyez, moi, comment je suis? J'ai pris un cadeau pour améliorer la qualité des vidéos de la chaîne YouTube. On a pris une GoPro. En plus, c'est la toute nouvelle. Oh là 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 là, elle est incroyable. Comme ça, on pourra filmer dans les parcs d'attractions, dans les vacances, dans les même en mode foot. Tu la mets ici, tu joues au foot, ça peut être incroyable. Est-ce qu'il finit premier? Ce Hellef là, il a le droit à un cadeau entre 0 et 1000 euros. Let's go. Son cadeau est derrière la porte. On va découvrir ça et j'espère que c'est un vrai truc. 2, 1, ouvre. Oh, yes. Oh, let's go! Là, il y a une petite motocross, en plus la couleur, elle est trop stylée! Alors, qu'est-ce que t'en penses de ton cadeau? Elle est magnifique, franchement, vous êtes vraiment des bons! Oh, les gars, je suis refait! C'est une quoi? C'est une Dirt 125. Oh, elle est stylée! Mais, là, je peux la démarrer, je peux y aller et tout! Oh, tu t'es prêt? Il y a l'essence qui est mis, tout est mis! Sérieux? Ouais! Incroyable!
Bon les frères, on va se préparer parce qu'il faut qu'on achète un casque. Vous avez un casque ou pas? Faut l'acheter. Ok, on va acheter un casque, on va mettre de l'essence et tout, et on va faire de la moto. À 5000 likes, on vous fait une vidéo où Younes teste sa nouvelle moto. Merci les frères, vous avez grave géré.